voir. Choqué tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas des jeux. Ok, Levana, question très importante. Qui te filme? Alors, c'est ma maman. Ouais. Donc trois fois par semaine. Est-ce qu'on peut la voir? Oui. Est-ce qu'on peut voir la maman, tiens? Non, non, c'est pas la peine. Ah, c'est pas la peine. Mais non. Alors attendez, moi je propose, les abonnés, si vous voulez voir la maman, c'est maintenant, vous mettez des plus maman. Et si vous êtes sans l'avoir écrit, vous voyez la maman en exclusivité internationale. Ah oui, bah évidemment, ils vont... Tu les exclus dans le gulag. On nous demande si tu peux nous faire un petit bout d'une autre chanson. Du coup, tout le monde demande si tu peux nous faire un petit bout. Moi, j'ai un truc. Mais est-ce que c'est possible, Antoine et Johan? Parce que j'ai donné une clé USB à Antoine tout à l'heure. À quoi? J'ai donné une chanson à Antoine tout à l'heure et je sais que Levana la connaît par cœur. Ah bah attends, bouge pas, je te le montre. Viens à côté de moi, Antoine. Parce qu'il aime pas trop passer à la YouTube. Dis-moi oui ou non. Ah oui. Attends, c'est possible. Ah, trop bien. J'ai bien peur, la maman, que la communauté des fans de Levana veuille vous voir. Alors, en attendant... La maman qu'on connaît bien dans l'équipe du Gulive d'ailleurs. C'est vrai. On la voit depuis plusieurs années. Alors, je sais pas si Karine peut faire un petit coucou. Elle est où? Bah oui. Elle nous dit vraiment, vraiment, vous êtes sûr? Bah oui. Allez. Si, regarde, je crois que tout le monde veut te voir, Karine, tout le monde veut voir la maman, hein. Alors. Elle est où? Elle est là. Ben la maman arrive alors. Tiens. Ah. Bonjour. Alors tiens, tu dois avoir un micro juste à côté. Oui. Juste là, et alors, il doit être... Est-ce qu'il est allumé? A priori, alors, il est madame allumé. Madame la maman, il faut se serrer de votre fille, car le plan est un peu serré, s'il vous plaît, madame. Voilà. Comment ça va, Karine? Ça va bien, merci. Alors nous, on te connaît, parce que dans le Gulive, on avait Ethan avec nous, qui faisait des petites chroniques, qui est aussi ton fils, et qui comment dire, qui est dans scène de ménage. Et qu'on aime aussi. très exactement, fort. Exactement, Ethan est aussi dans scène de ménage, le petit-fils de Raymond Huguette. Comment tu... Alors, comment ça se fait? On est sur deux programmes courts. T'as des gènes showbiz que tu... Alors, moi, je suis comédienne. Oui, bah oui. Je fais des spectacles musicaux pour enfants, enfin, avant d'avoir mes enfants, d'ailleurs. Ouais. Et puis après, c'est Ethan qui a commencé, ensuite Levana, et puis les filles aussi derrière. Et les filles continuent. Et sur les deux, là, du coup, ça marche super bien. T'es la première surprise, parce qu'il y en a un qui cartonne sur M6, l'autre qui cartonne sur TF1. Au début, on était surpris, et puis maintenant, on vit avec. Ça fait partie du quotidien. Il y a tout le monde qui dit la maman commençait une bombe atomique. De ouf. Ouais, c'est vrai que Karine est très très belle. Et du coup, tu les accompagnes? Je te coupe, Kevin, excuse-moi. Oh là là, excuse-moi. Tout le monde aimerait savoir si tu chantes. On se tutoie, Karine. Hein. Oui, tu chantes comme ta fille. Ah. Bof. On peut avoir peut-être un petit duo maman-fille sur quelque chose. Grave. Qu'est-ce qu'on chante? Regarde. D'accord. J'ai vu les yeux de Levana pétiller. Ah, c'est trop mignon. T'es fière d'avoir ta maman mieux avec que toi. Moi, hein. T'es fière de ta maman, j'ai l'impression, Levana. Ouais. Bah oui, quand même. Ouais. Attends. Ouais. Âme ou sœur, jumeau ou frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubanes et m'embryonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Bravo, c'est tout en harmonie et tout. C'était Tuer mon autre, Lara, Fabian et Morane, c'était super beau. Ouais, très très bon. Wow. Tu accompagnes Ethan et Levana sur les plateaux? Oui, alors quand des fois il nous est arrivé qu'il y ait trois enfants qui tournent en même temps, voilà. Dans ce cas-là on a de la chance d'avoir un papy qui accompagne Ethan et qui est ravi parce qu'il adore ça. Donc voilà, des fois on met à contribution la famille. Et comment on fait quand on a des enfants justement qui réussissent aussitôt dans des super gros projets pour justement leur faire comprendre que... On essaie de les protéger un peu. Parce que elle a connu ça à 6 ans les plateaux de tournage du coup. Je dirais plus que c'est par rapport à la chaîne YouTube qu'on a créée, où on essaye de protéger un maximum parce que c'est ouvert à tout le monde, etc. Après tout ce qui est télé, bon bah c'est... Je pense qu'ils sont dedans depuis petit, donc il n'y a pas de... Question super bête, Karine. Qui vient de Jenny Killers Underground 9-3. D'où vient ta doudoune? Ah oui. Quoi? Qu'est-ce qui... D'où vient ta doudoune? On est sur d'où une vient ma doudoune? Je réfléchis, celle-là, je sais même pas. Très bien. Voilà. Et le papa, on nous demande où est le papa. Alors, est-ce que le papa est dans la vie? Le papa, il est à la maison. Il les suit beaucoup. Il est artiste aussi parce qu'il écrit. Il écrit des chansons. Voilà, on a tous des âmes d'artistes. Moi, j'ai une vraie question parce que justement, c'est ce que tu étais en train de dire, puisqu'on a des enfants qui nous regardent, mais on a aussi les parents qui nous regardent. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais t'adresser aux parents
pour leurs enfants qui leur dit moi je veux ouvrir ma chaîne YouTube et tout et qu'eux ils sont pas chaud chaud, ouais. Peut-être leur donner des conseils. Bah franchement nous on l'a ouverte parce qu'en fait comme les enfants tournaient déjà, avaient une petite notoriété etc, on avait quelque chose à montrer et ce qu'on fait surtout sur notre chaîne c'est de montrer les coulisses des tournages et ça intéresse beaucoup les gens, les enfants. On a beaucoup de demandes pour justement expliquer comment faire des castings et je pense qu'on le fera, mais c'est vrai que s'il n'y a pas les parents derrière c'est compliqué quand les parents travaillent etc, il faut les suivre, il faut les suivre enfants. Et puis ouais, tout à fait. Tout à fait. Et... oui Joanne, bah, c'était un très beau message hein, c'était magnifique, mais tout le monde aimerait que tu dabes maintenant parce que j'ai ah pas... oui mais je sais pas faire ça mais moi si, c'est quoi non, c'est, moi, ça pas... c'est ça vas-y Levana, tuto dab. Je suis pas aussi moderne que toi Joanne, tu sais à daber. Les dabs en fait c'est bien montré Lina, viens elle va le faire à ma place, un family dab. Ah ouais. Ah, si on regarde. Un, deux, trois. Yeah, yeah. C'est ben voilà. Votre youtubeur préféré, écoutez, les filles, écoutez, maman écoutez, et filles. C'est simple, c'est le dab le plus pourri qu'on ait jamais vu. Oh non. Allez, on réessaye. Un, deux, trois, dab. Yeah. Là, c'était bien. Est-ce que vous avez un... Le frère, on sait qu'Ethan, il devient grand maintenant. Il commence oui, à être à la puberté. Oui, oui, là. Il était là. Il était en rendez-vous avec un réalisateur, Philippe Lelièvre. Très donc bien. Peut-être pour un tournage prochainement sur TF1. On espère, et on croise les doigts pour lui. Et du coup, il est protecteur avec... comme lui, il a vécu ça aussi avant. Est-ce qu'il est protecteur avec sa petite sœur? Est-ce qu'il lui donne des conseils ou... Il l'était. En ce moment, il est un peu trop dans les jeux vidéo, mais... Voilà, c'est la période, donc... Est-ce que vous avez envie de faire un truc ensemble, ton frère et toi, par exemple? Un jour, vous retrouvez sur Game un plateau, Thrones. Vraiment. Ah, et on l'a fait. Hein. Vous l'avez fait ouais, déjà. Ils ont fait quelques petits tournages plus jeunes. Il y a eu ouais, Hollywood. Ils ont tourné avec Florence oui. Foresti. Ah, vous jouiez les il y avait Ariane aussi. Les, ouais. les enfants, c'est ça. Tout à fait. Et puis, il y a eu d'autres occasions sur des petits tournages qu'ils ont fait. Vous entendez bien. Oui. C'est le principal. C'est exactement. Alors, est-ce qu'on peut peut-être faire chanter bah, ouais. Ouais. Attends. Ouais, ok. Eh, hey, les gars, ça va, les gars? Oui. Bah ouais. Yeah. Vous êtes beaux, hein? Merci. C'est vrai, la lumière, elle est bonne ou... Ouais, non, alors non, il y a beaucoup de demandes sur la Reine des Neiges parce que tout le monde est au courant que en fait. Ah bah oui, évidemment. Family, ouais, les Solomon Family chantent super bien la Reine des Neiges, donc c'est à vous de jouer maintenant. Attention. Allez-y. Qui chante? Attends, parce que. Tous ensemble. Mais est-ce que vous pouvez chanter tous ensemble? Il y a une musique ou pas, Johan? Ah bah non, elle est là. Parce que je l'avais moi la musique. Si on a la musique. On a la musique. C'est bon ça. Alors. Tu te mets à ma place. C'est la chanson d'Anis Delva, c'est ça? C'est toi qui me l'ai lancé. Lina, tu veux dire que tu as composé ah oui, d'accord. Chansons. Alors, donc, Gwendal ouais. Marimoutou en duo avec les Solomon Family. Donc, c'est parti et sur là, la Reine des Neiges. Oh là là, elles sont belles. Mary Poppins. Alors, attends, on peut se coller comme ça. Voilà, parfait. Que... Rapport aux fesses antillaises qui prennent de la place. Continuez à poser vos questions sur le chat live, on y répond tout de suite. Voilà, exactement. Tac, 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 coucou, elles sont... Ah, bah voilà. Solitude m'a passé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. De sentiments libérés, délivrés. Je ne mentirai plus jamais. Libérés, délivrés. En été, perdu dans l'hiver, le froid est pour moi le prix de la liberté. Ouh! Attends, c'est pas fini. Je m'en doute bien. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystères. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Libérés, délivrés, les étoiles me tendent les bras. Libérés, délivrés, non je ne pleure pas.
ciel et envahit l'espace. Mon âme s'exprime en dessinant et sculptant dans la glace. Et mes pensées sont des fleurs de cristal gelé. Plateau et chante toutes les trois. Oui. Ah, on a une exclue. On embrasse très fort Anaïs Delva. Hein, et aussi, c'est ce que, exactement. Gros gros bisous Anaïs. Gros bisous Anaïs D'ailleurs, Delva. D'ailleurs, t'as fait un duo avec elle. Oui. Sur C8, c'est ça? Oui, exactement. C'est cool. Oui. C'était sur quoi? Bah, on touche pas à mon poste, j'imagine. C'était très émouvant, ouais, avec Cyril Hanouna. Ah bah voilà. Donc, on l'embrasse encore très fort. C'est une copine à nous, on l'adore. Bah attends, okay. Moi j'ai envie de savoir, moi j'ai pas vu ça. Bravo, c'était magnifique, Karine, c'était bien. Merci, merci, la merci maman. Karine, merci la maman. Les filles, est-ce que ça vous dit de vous faire un petit challenge? Un petit challenge. Dans la maison du live. Oui, 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 moi j'adore les challenges. Oh, okay. Bah tu vas pas être déçue. Alors attends, Levana, présente-nous tes sœurs. Alors là, on a Oriane. Oriane. Qui a bientôt 9 ans. Ma chaîne YouTube. Mais je connais. Qui a bientôt 10 ans. Et moi, je m'appelle Elina et j'ai 7 ans. Mais le 26 juin, dites j'aurai 8 ans. C'est pas trop dur le soir au dîner avec. En plus, votre frère est très grande boule aussi. Les parents arrivent à parler ou ça se passe comment boule, le soir donc. J'ai pas compris. Bah, c'est-à-dire que vous avez toutes des grosses personnalités, donc ça doit être un petit peu. On doit vous entendre beaucoup le soir. Ça au discute dîner. Fort. Non. Le soir, on mange. Vous mangez, il n'y a personne chante, personne joue. Se parle. Si, 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 Ethan. Ah. Alors là, il faut savoir qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo. Il joue beaucoup aux jeux vidéo. Il chante. En fait, il joue et il chante en même temps. Donc, on entend. Et moi, je dis, on peut l'inscrire à The Voice. Ah bah, Ethan à The Voice. Oui, Johan.